Allez, salut tout le monde, c'est Taz Récupération, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 327, les amis, de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait continué notre mode aventure dans lequel on avait fait la carte à explorer. On avait fait cette case-là, souvenez-vous, avec Xanto, dans lequel on avait récupéré le réceptacle de cœur. Et le fragment de cœur avec lui et le costume, en tout cas l'habit de fée. Donc voilà, on avait fait ça, sachant que l'habit de fée, j'y suis pas été la fois dernière, mais à mon avis, je sais, c'est une jupe, donc logiquement, elle a pas besoin de bas, on va dire, si une culotte, mais je veux dire, autre que ça, autre détail, on va dire que ça, logiquement, elle n'a pas besoin d'autres choses, parce que là, voilà. Parce que normalement la jupe elle est là, hein. Mais ça fait deux trucs en fait. Ah, oh, elle est très belle, elle est très très belle. Très ravissante. Lumière. Parce que la jupe en fait elle fait les deux trucs en fait. Mais bon, on peut mettre la jupe de princesse aussi. Hein. Augmente la défense. Coûte réduit, coût réduit. Honnêtement, on peut mettre la jupe de princesse et il va. Ah non, en fait, c'est bizarre. On peut y mettre ça. Et ouais, comme c'est joli. Je sais, t'es magnifique toi. Et elle, voilà, maquillage Sheikah. Bon. C'est parti pour le mode aventure les amis. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur cette case là. D'ailleurs, c'est la dernière case où il y a des sculptulador. Donc on se fixera un prochain objectif dans l'épisode prochain, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons nous attaquer à cette case là dans laquelle vous avez vu qu'en récompense, il y a un réceptacle de cœur, j'imagine avec Ruto dans la victoire de rang A. Il y a un fragment de cœur avec Skulky des deux sculptulador. Donc on va y aller déjà explorer. Oh, c'est assez facile ici. Il faut juste glacer cette flamme. Voilà, vous avez débloqué une nouvelle récompense de victoire. Ça c'est fait. Alors oui, il y a bien un réceptacle de cœur avec Ruto. Guerrier des ténèbres dépendait de niveau 3. On peut voir qu'en face de nous, il y a des maîtres Stalfos, des souffles d'âme de glace, Impa, Fear et Shake. Donc on verra si c'est difficile. En tout cas, on va tenter d'utiliser Ruto en premier. Parce qu'il y a le réceptacle de cœur et on utilisera Skull Kid dans l'épisode prochain pour en même temps avec la Sculptulador. Donc on peut voir qu'avec Skull Kid on peut, voilà, hein, c'est pas voilà, il y a ça, sachant qu'on le fera passer de niveau et je pense qu'on va même directement le faire maintenant, au moins niveau 40, ça serait tranquille. Donc il va gagner 2 réceptacles de cœur en plus et 42 de puissance. Donc le personnage va passer niveau 32 au niveau 40, vous devez continuer, oui. Parce que là, honnêtement, ça va me faire énormément de bien et m'alléger un petit peu la conscience. Voilà, le personnage est passé au niveau 40. Et donc du coup, c'est parti, on va pouvoir utiliser les amis Ruto. Voilà, Ruto, expérience plus. Oh, de toute façon, on n'a pas tellement le choix en même temps. Donc, expérience plus, voilà. Et c'est parti. Bon. Nous voici. Alors, champ de bataille. Sia, Lana, Ruto. Ok, donc, on a Lana et Sia avec nous. Alors, c'est dans le... temple du temps, je sais plus comment s'appelle exactement cette zone en fait. Précisément, je crois que c'est le temple sacré. Plusieurs capitaines d'Hyrule. Et en face de nous, avons Shake, Impa, Fear. Et des mobiles blindés, beaucoup de mobiles blindés, énormes. Et des maîtres et des armes de classe. Ok, il y a la totale. Il y a la totale. En termes de récompense pour le fragment de cœur avec Skull Kid, on peut voir que les deux coffres sont là. Il y en a un troisième ici. Et ok, bon ben on le saura. Et en termes de aussi, j'ai pas vu de sculpture là, donc remplissez la première mission par vous de moins 5 forts et ok, 1000 ennemis. On devrait s'en sortir. Bon, allez, souhaitez-moi bonne chance, les amis. On va tenter directement d'aller derrière déjà pour commencer. C'est parti. Oula. Boum. Allez. Voilà. Oula. Eh, mais tu te fous de ma gueule? Mais elle est conne ou quoi?
Voilà, ça c'est fait. Par contre, on lui fait vraiment pas mal. Hein. C'est assez abusé. Putain, par contre, ça va être à chaque fois ça. Il mine les captains ennemis et leur chef là, la con. Hop, attention. Ouh, bah, tenter de faire attention. Voilà. Ça c'est fait. Merci. Alors attention. Alors de question, là on a des coups fatals, hein, on se prive pas. Ok. Non. Allez, c'est parti. Mettre un Stalfos. Alors. T'as toujours fait. Et dans. Et notre ennemi, c'est à être en difficulté. Dans la base alliée. Donc on est dans la merde. Allez, on va vite éliminer l'ennemi en même temps en haut. Hein. On va s'alléger un petit peu la conscience. Et c'est parti. Ah, mais c'est, elle est derrière, sire. Oh, putain. J'aurais tellement pas pu le savoir. Je croyais que c'était, elle était dans la base alliée. D'habitude, elle est dans la base alliée, en fait. Ah bah là, elle va mourir. Hein. Ah bah on a perdu. Parce que elle a... Oh là là, parce qu'elle s'est faite éliminer. Et il y avait qui? Il y avait Impa. Non mais tu te fous de ma gueule, t'as perdu contre Impa. Bon ben... c'était une belle truc. Oh putain, les amis, on fait que des codes. En même temps, je découvre les batailles, donc c'est difficile de tout savoir d'un coup. C'est horrible ces batailles actuellement, c'est vraiment horrible. C'est horrible, honnêtement, ça en devient pénible. Ça en devient vraiment pénible, quoi. C'est abusé, quoi. Putain. Du coup, on est obligé d'aller quand même vers ici, quoi. Aïe, 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 aïe. On va jamais s'en sortir. Hein. Je vous le dis clairement, avec Ruto, surtout. Je l'utilise tellement peu que, du coup, ces attaques, j'ai du mal. Hop. Attention. Oh mais t'es sérieux là, le truc à la con. Et Impa. Vite, s'il te plaît. Oh là là, on fait tellement pas mal. Ça me fume, c'est qu'on fait vraiment zéro dégâts, quoi. Non. Attends, elle est où? S'il te plaît. Elle a la Naginata du gardien en plus. Cette pute, elle a la Naginata du gardien, quoi. Putain, oh, l'XP qu'on gagne, c'est tellement abusé, quoi. Ça se voit vraiment que c'est pas de notre niveau, c'est abusé. Allez, viens, s'il te plaît. Merci. Oh là là, putain. Risque du chute, waouh. Ça c'est fait. Allez. Si on pourrait l'éliminer, ça serait pas mal. Hein. Oh, urgence. Oh là là. Putain, casse. Là, on attend difficulté. Mais je peux pas aller la sauver. Je peux pas aller la sauver, c'est ça le pire. Il n'y a qu'une part. C'est parti. C'est parti, c'est parti. On va vite sauver Lana. Oh là là, fort perdu. Voilà, on est dans la grosse merde, hein, je vous le dis. Parce qu'on est, on attaque très peu, quoi. C'est abusé. Alors, Lana est un grand danger. Et elle a deux personnes sur elle. Donc, on est dans la merde. Et on va perdre parce que... parce qu'on n'est pas assez haut niveau. Oh, attendez, mais ils sont combien, là? Mais je vois même pas Lana. Hello, Lana. Bon, ça, on... Elle est où, Lana? Fuite. Bah oui. Oh putain. Oh bah là on est dans la plus grosse merde, hein, je vous le dis. Là je suis désolé mais en termes de grosse merde. Putain mais c'est quoi le nombre d'ennemis? Regardez ça. Et on doit le faire avec Skull Kid, c'est une grosse blague.
J'espère qu'on me fait une farce. Oh là là, putain. J'attends le capitaine détaché là, la con. Oula. Hop. Non. Oh là là, putain, c'est vraiment la plus grosse merde du monde. Putain, 2 minutes déjà. On n'a rien fait. Ça me fume. C'est qu'on fait zéro dégâts, quoi. C'est pas normal qu'on mette 100 ans à les battre, c'est ça qui me pose problème. J'ai l'impression qu'on galère, alors qu'on n'est pas censé galérer. Et en plus on gagne de ces XP, oh là là. Ouais, tu m'étonnes en fait. On galère, parce que c'est vraiment pas du tout dans le niveau en fait. Non. C'est bon. Hop. Allez. S'il te plaît. C'est bon. Allez, 1000. Là, il va y avoir la sculpture là, hein, normalement. Elle est apparue. Donc on y va vite, on y va très vite. Aïe 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 aïe. Elle est où? Elle est où? Elle est où? On l'entend. Elle est là. Vous avez vécu ce que tu l'adores, vous avez obtenu un morceau d'illustration. 4 minutes, wow. Mais bon, pour le Skull Kid, on pourra être tranquille parce qu'on pourra, on pourra prendre du temps. Là, malheureusement, on va pas prendre du temps. Donc, on va prendre l'effort qu'on peut un petit peu prendre. Mais ça s'arrête là, quoi. Le maître Stalfos est bientôt mort. Le maître Stalfos est mort. Et il me manquera plus que Fille à battre normalement. Putain, je te jure. On a perdu, mais pour rien en fait. Tout à l'heure, c'est abusé. Là, j'ai très peur que Sia est en danger. Hein, parce que Sia est en danger, on est dans la merde. 1200, oh putain, en plus si elle s'éloigne, ça va me casser les couilles. Oh là là, fille, s'il te plaît, non, 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 on reste là. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, on va réussir, on va réussir. C'est-à-dire qu'en fait, on perd inutilement l'esprit de l'épée, fille. On perd vraiment pour rien. Parce qu'on n'a pas le temps, en fait. Tout est basé sur la RNG. En fait, là, c'est plus trop basé sur le skill en réalité, parce que le problème, c'est que les ennemis ont tellement de puissance que... bon, qu'est-ce que vous voulez baser sur la RNG, vous sur le skill. Sachant que là, elle a gagné un réceptacle de cœur, on est bien d'accord par contre. Elle en avait 22. Elle en a 23. Sûrement avec le niveau. Ah, au boss de fort. Oh. Alors par contre, je lui aime là d'un coup. Tant mieux. C'est 14. Non, putain, vas-y. Oh. 6 minutes. Hop. Boum. Oula. Red boss de fort. Ok. Oula. Ça c'est fait. Oui, autant vraiment prendre en même temps quand on peut. Hein. C'est bon. Toi. Fille, je suis désolé, mais... Tu vas subir aussi. Hein. Ah là là.
Hop. Ok. Fear. Ah, 17. Et Fear est éliminé. Les amis. Après, avec Skull Kid, on prend vraiment du temps, je vous le dis. Avec Skull Kid, on prendra du temps. Faut faire la deuxième parce que tu l'adores et tout tranquillement. Ouverture. Là, tout le monde va avancer. Oh shit. Oh là là, putain. Casse les couilles. On a combien là? On a 7 minutes. En plus, il y a les deux tentacules à la con. Hop. C'est bon. Bon, parfait. C'est bon. On le gère, on gère, on gère. C'est bon, on gère. Voilà. Au moins, dites-vous qu'on aura la conscience tranquille. Le souci, c'est que... il y a un truc qui me... pose un souci, c'est que là on va avoir on va être face à Shake normalement. Le problème c'est que Shake à l'eau elle est chiante, vous voyez. KO. On va tenter. Alors dites-vous que si la base alliée, oh putain, casse les, si elle est à danger, si elle est normale au milieu midlife, on part vite tuer la Baka Baka. Si elle est midlife, on va vite buter la Baka Baka, enfin la mandala quoi. Guerrier du clan Sheikah, Shake. Ça va être vite tué, ça va. Ok. Ça va, elle va être vite tuée. Normalement. Oh là là, par contre, zéro dégâts, quoi. Hop. Ok. Oula. C'est bon. Hop. C'est bon. Allez. Midlife ou pas? Presque midlife, hein. On doit faire un petit peu attention sur ça. C'est bon. C'est bon là. Putain, on va bientôt pouvoir. Hop. Putain, on est bientôt niveau 53 quand même. Hop. Ok, base à danger. Le truc, c'est qu'on l'a bientôt battu, quoi. Donc ça me fait chier de faire le grand détour. Là, vraiment, on l'a bientôt. Niveau 53. Putain, est-ce que je prends le risque? Ouais, je prends le risque. Allez. Elle est bientôt morte, de toute façon. Elle est bientôt morte, de toute façon, donc... c'est bon là, c'est bon. C'est bon, c'est bon, à mon avis là elle est bientôt morte. Elle est morte là. Presque en tout cas, mais en tout cas elle est morte, c'est bon. Ça, 24. Et nous l'avons eu les amis. Bon ben, ça c'est pas non plus si difficile que ça. Par contre avec Skull Kid on va vraiment galérer au début. Mais après on prend, on peut y aller tranquille sur tout le reste. Vraiment on prendra tout l'ensemble du territoire tranquillement. Pfiouh, mon dieu. Et le réceptacle de cœur. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur, votre énergie vitale est augmentée d'un cœur. Bon, Lana, on va dire, c'est pas très grave si elle perd. Et ben, et on doit faire le défi des boss. Non. 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 Non, non. Non, non, mais je vous jure que non.
Non, mais je vous jure que non, vraiment. Je vous jure que non. Non, non, mais je vous le dis, hein, non. Oui, autre obligé, mais non. Oui, mais non, moralement, enfin... Oui, objectivement, mais non moralement, quoi. Alors, écaille d'argent 96 de dégâts cœur plus, épée du héros 88 de dégâts limoire plus, épona 88 de dégâts slot vide, énergie de la table gardien 104 de dégâts slot vide, et ballon pétale de rose 104 de dégâts élément feu. Pour un cristal de fille, un kunai de check, un lien pour cheveux d'impa, un carte de maître stall face et deux casques de mobile blindé et l'illustration. Ou avec Link, on a bientôt complété, il nous manque la dernière. Oh. Mon dieu, je n'en veux plus. Les amis, je suis fracas. Bon, les amis, la fois prochaine, nous ferons à nouveau encore ce scénario, enfin cette case-là, en tout cas, pardon, pour obtenir le fragment de cœur avec Skull Kid et la dernière Skulltulador. Donc, on se garde ça, voilà, au chaud pour la fois prochaine. Vraiment, merci de m'avoir suivi pour cet épisode, les amis, numéro 327, je crois que c'est ça. Ouais, c'est... Non. Si, c'est ça, 327 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. Et on se retrouve donc du coup l'épisode prochain qui sera l'épisode 328. D'ici là, les amis, merci, portez-vous bien. Ciao tout le monde, hey, peace. Et en plus, l'épisode prochain, logiquement, si on récupère la Skulltulador, on pourra avoir notre dernier morceau d'illustration.